للمؤتمر الصحفي للمدير الفني للنادي الاهلي ريني فايلر، ماذا سيقول ريني فايلر عن هذه المباراه؟ تفضل. Félicitations pour le victoire du match. 3 minutes, évaluation pour le match. Un petit commentaire sur le match. Alors, Ismail, ils ont bien commencé le match, les premières 15 minutes. Ismail, il On a besoin de ce temps-là pour être dans le match, mais c'était aussi clair parce qu'on a eu quand même beaucoup de changements. وطبعا احتاجنا ربع ساعه عشان نرجع تاني نبدا الماتش نلعب لعبنا، وكان طبيعي لان في لعيبه بتلعب، يعني في تغييرات كثيره في التشكيل، لعيبه بتلعب لاول مره ما بتلعبش بشكل دوري. Après 15 ou 20 minutes, on a encore donné une seule occasion à notre adversaire et nous avons quand même créé des occasions. À mon avis, on a très bien joué. On a très bien joué offensivement contre un adversaire qui est aussi fort. Et à la fin, on a gagné ce match-là. Et أول 15 أو 20 دقيقة يعني جت فرصة واحدة لحد فرصة بس للخصم مقابل كذا فرصة لينا، وأعتقد إن شايف إن إحنا لعبنا كويس قدام خصم لعب كرة كويسة وفي الآخر استحقنا الفوز. ثلاث أسئلة يا جماعة كده، ثلاث أسئلة. تفضل. تفضل. انا مش عارف انا بعمل ايه كده عشان الصوت تطلع صح؟ انت عايز كده؟ خلاص هسيبه. اوكي. حاضر. بس المفروض المدرب اوكي. احمد خالد بريد الوطن. جوناتي فو فيسي بور لا فيكتوار. Aujourd'hui, on a vu le niveau de On a vu que Mohamed Hani, son niveau n'est pas le même. Il a un niveau un peu diminué. Et le témoin que toutes les manières offensives de l'équipe d'Ismaïl. حلول يعني اللعيبه بتاعتهم عندهم حلول، وكان مدافع مش ممكن ياخد كل الكور، مش ممكن يقطع كل الكور، يعني ممكن يقطع بعض الكور وبعض الكور تعدي من ناحيته زي ما حضرتك بتقول، بيعدي من ناحيه محمد هاني، ده طبيعي بالنسبه لاي مدافع، بس هو شايف ان اداؤه كان كويس النهارده. كان دوزيام كيستيون علي معلول، votre évaluation d'Ali Maloul après son retour. Comment voyez-vous la performance d'Ali Maloul? Alors, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je répète, je ne vais pas juger des joueurs personnellement. Je dis de notre équipe, de temps en temps, je fais une remarque de quelques joueurs. Je suis content qu'il est de nouveau avec nous. Mais je ne vais pas dire des détails sur une performance de joueur. بالنسبة لعلي معلول تقييمه بيقولوا ما بيحبش يعمل تقييم، يعني على الملأ في مؤتمرات هو زي ما بيقول حياتك هو بيحب حاجة زي كده، بيقولها في كل مؤتمر بيحب يقولها مع داخليا جوه الفريق، بس هو سعيد بعودته وبرجوعه تاني للفريق. سؤال تاني؟ دو كيستيون. نطمن على كابتن رامي ربيعة. لا بليسيور دو رامي ربيعة. Il a eu des problèmes musculaires et c'était aussi une protection parce qu'on a beaucoup de matchs et c'était le moment aussi de donner des minutes pour la première fois après son absence de Saad. Et oui, c'est une protection, je ne pense pas que c'est si grave. Il y a des problèmes musculaires, des problèmes musculaires et j'ai juste préféré le relâcher parce qu'on a beaucoup de matchs après ça et c'était une opportunité de faire لسعد سمير بقاله فتره بعيده عن الفرقه، ان اديله بعض الوقت ان ينزل وياخد ثقه، خصوصا ان في ماتشات جايه محتاج اللعيبه كلها تبقى جاهزه. فيليسيتاسيون. اخر سؤال؟ اتفضل سؤال. طبعا امبارح مسك الفايتر. فيليسيتاسيون مع فيكتوار دو جوردي. Maintenant 21 points de 7 matchs consécutifs sans faute. Les supporters de Ali ont maintenant l'habitude de voir son équipe gagner toujours. Quelle est la difficulté à chaque fois? La mission est plus difficile parce qu'à chaque fois vous devez gagner. Et le niveau, ça augmente. Ismaïli maintenant. Avec la combinaison de matchs, comment voyez-vous votre mission avec l'équipe? Alors, vous savez aussi comme moi, le foot est de temps en temps fou. On demande tout le temps des victoires. Moi, je suis pour ce moment-là très content. Partout, je ne regarde pas seulement le résultat, je regarde la progression de tout le monde. Et pour ça, je suis aussi très content. Mais c'est clair, si tu gagnes, tu as toujours des difficultés, encore un peu plus, de continuer de gagner. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est le meilleur boulot. Et on va tout le temps faire notre meilleur boulot. Et si on va perdre une fois, c'est aussi le foot, ça c'est la vie.
mais on va essayer de gagner des matchs. بقول حضرتك طبعا طبعا انا سعيد بالفوز بس الفوز مش كل حاجه يهمني برضو الاداء ويهمني احس ان في تطور في الاداء الفني ان في تطور فني حصل للعيبه وانا سعيد بده وطبعا طبعا طبيعي المدرب عايز يكسب كل الماتشات بس لو حتى حصل هزيمه مره ولا حاجه مش نهايه النادي كره القدم بس احنا نحاول نبذل قصارى جهدنا ندي افضل نتائج في الماتشات الجايه عشان كل مره بنكسب المهمه بتبقى اصعب لان بيبقى عليها ضغوط اكتر. كابتن مرشد اتفضل. Félicitations pour le match. Journaliste, vous félicitations pour la victoire d'aujourd'hui. 21 points de ce match. Vous étiez très passionnant avec Marwan Mohsen. Il devait sortir. Il n'avait pas joué un bon match. Pourquoi vous n'avez pas remplacé? Vous avez donné beaucoup de temps. Alors, et votre point de vue pour le match, le prochain match contre l'État d'Alexandrie, comment va-t-il? Alors, d'abord, comme je t'ai dit, je répète encore une fois, je ne vais pas juger des joueurs ici. Ça, c'est un sport avec plusieurs joueurs ensemble et on a toujours des joueurs qui jouent un peu mieux que des autres, mais je ne vais pas juger des joueurs. ده مش معناه ان انا هقيم او هنتقد لعيبه على الملأ. Nous gagnons ou nous perdons comme équipe. احنا بنكسب او بنخسر كفريق كامل كلنا مع بعض مش افراد. Et on a besoin de tout le monde. ومحتاجين لعيبه كلها تكون موجوده معانا بمجهود. Et aujourd'hui, on a gagné ce match-là. Ça veut dire qu'on est heureux maintenant. Et à partir de demain, on va préparer le prochain match. Et je sais aussi ça va être très dur. Le prochain match, mais pour ce soir, on est content pour ce match-là et j'aimerais pas encore discuter des choses qui vont arriver le prochain match. بقول حياتك النهارده احنا كسبانين ففرحانين فبنحتفل بالفوز نخلي الماتش بتاعي نحسب له من بكره ماتش الاتحاد فانا النهارده بس هعيش فرحتي انا مع لعيبتي وهبقى سعيد وبكره ابتدي افكر في ماتش الاتحاد يعني شكله ايه بالنسبه لي وازاي هعدله فرقتي. طبعا على الفوز اللي هو de 3 points d'aujourd'hui. On commençait à avoir un record. Elle est de saison 2005-2006, il avait un record, 11 victoires consécutives. Vous êtes 7e victoire, vous vous approchez du record. Vous pouvez casser le record de Manuel José da Silva qui l'a fait en 2005. Je vous dis la vérité, ce n'est pas un but. Moi, j'ai des autres perspectives, mais j'ai même pas su ça. Et pour moi, je répète encore une fois, et toujours, d'abord tout, la progression. Hein, de temps en temps, on regarde que le résultat, mais comme entraîneur, hein, parce que ça, c'est le sport. De temps en temps, il y a la chance, après, il y a malchance. Pour moi, c'est important comment l'équipe progresse, et pour ça, je suis très content. Je vous dis, même si je ne sais pas cette information, je ne sais pas, mais ce n'est pas de mes objectifs ou de mes rêves. Le plus important, c'est que j'ai le meilleur résultat de l'équipe, et je vais décider une autre fois, pas seulement les résultats importants pour moi, mais le tahassun et le développement technique des joueurs qui passent de match en match, qui passent de match en match, et que je vais le faire. Et c'est pour moi, c'est le maximum. شكرا. طيب ده كان كلام المدير الفني ريني فايلر عن مباراة اليوم.